In edis javardar dun, alfa dal lire e fase kim, vidir enu inu anur, aferin ilit keri, e agara veduio amma, it ilit eria, harnar in athan esta ban, ai nai uem dire dar, por ved
解释一下。Make it. Il faut que je parle à Pachirepta. Il doit être au grand temple. Memphis. La ville est belle. Mais elle dégage l'odeur d'un champ de la gifle que j'ai foutu. Même lui il est pas entré. Je suis prêt. Tu entends mal ? Qu'est-ce qui te prend ? J'ai dit quoi ? Non, mais c'est ni nous avons peut-être oublié une partie du rite. Si ça continue, je vais vomir. Sois certain d'une chose. Si notre enfant vient à mourir, je meurs. Non, mon Lotus, tu ne dois pas dire ça. Je dois me rendre chez le clairvoyant. Laisse-moi, je t'en prie. Thank you.
Hayek. Désolé, je suis... Je suis venu chercher le lézard. Oh, le lézard. Un fléau de plus pour notre pauvre Memphis. La ville souffre d'une terrible malédiction. La maladie, la pestilence, la puanteur empoisonnée de l'air. Le taureau Apis est malade aux portes de la mort. Les dieux nous ont abandonnés. Les gens me consultent pour que je les guide, mais je suis aussi désemparé qu'eux. Vache. Apis, de quoi nous punis-tu ? Vache. Le mal se répand même à ma propre maison. Ma femme Taïmotep a fait 3 fausses couches cette année. Elle est de nouveau enceinte, mais si... Si elle en perd un quatrième... Je vais enquêter sur cette malédiction. Le clairvoyant de ma femme t'aidera. Sa maison se trouve au sud-ouest. Si les dieux sont responsables, je serai à tes côtés pour affronter leur jugement. Grandis, lueur! Approche! Oh, lueur! Oh, mon enfant! Tu es arrivé, enfin! Qui est cet homme? C'est le libérateur. Moi qui l'attends depuis si longtemps. Quoi? Vite! Aide-moi à tirer mon enfant des griffes de la mort. Accomplissons le rite. Apporte-moi le chaudron. Je suis le maître des choses secrètes. La forme de l'âme qui repose dans les cieux. Otis, révèle-toi en ce jour, et réponds-moi sans détour. Laisse tes yeux s'ouvrir. Dénué d'humidité, tu dois sortir du ruisseau. Otis, laisse leurs yeux s'ouvrir. Laisse tes yeux s'ouvrir. Bonjour, vous êtes mort. J'espère que je vais pas sortir à nouveau parce que... Moi j'ai pas envie. C'est pas cool. Chou. Surtout ne pas me perdre. Thank you.
laisse cet endroit oublié des dieux. Il y a quelqu'un là-bas? Qu'est-ce que c'est? Une sorte de tombeau? Je dois continuer, ou le désert m'engloutira. Salut, gardien qui veillez aux portes, qui avalez les âmes et dévorez les cadavres des défunts. C'est quoi ce désordre ? J'ai fait un long voyage. J'ai vu d'innombrables choses. Je ne suis que l'un de vous. Oh, brother. Quand j'ai dit je suis mort, je pensais pas vraiment. Parce que moi j'ai pas envie de m'affronter contre ces serpents. Anubis, seigneur des morts. Ce vieux fou m'aurait empoisonné. Oh, Nec, du poison. Je saisis l'arc et je balaie le ciel. Tu ne dévoreras pas mon cœur. Ray, protège-moi. Je saisis l'arc et je balaie le ciel. Affaibli.
qui nous l'accorde et consolide le sanctuaire. Je suis celui qui repousse le destructeur. Je suis celui qui repousse le destructeur. Ça fait mal, hein? Tu ne dévoreras pas mon cœur! Je suis la force qui brille dans son œil. Tu vas ressentir la colère du Dieu Soleil. Retourne à la mer du chaos. Mon heure n'est pas encore venue. Va détruire la droite. Tu n'auras pas raison de moi, destructeur. Je ne rejoindrai pas la vallée des ténèbres. Retourne à la mer du chaos. Tu vas ressentir la colère du Dieu Soleil. Tu n'auras pas raison de moi, destructeur. Je suis la force qui brille dans son œil.
Je vais te détruire! Meurs, mangeur d'âme! Oula. Papa! Je suis où, bordel? Déjà en perte de vue. Ils sont revenus, tirés des griffes de celui qui plonge leurs yeux dans le noir. Mon enfant est en vie. Loués soient les dieux. Que vois-tu? Ton ennemi est le même que le sien. Refuse la nourriture du temple. Celui qui la prépare te fait ingérer la chair des morts. Va, tue l'empoisonneur, et libère Memphis de cette funeste engeance. Disons que je pas voulu tuer quelqu'un que j'ai... Loué soit celui qui nous délivrera tous. Oui, je suis pas votre sauveur, les gars. Je suis un assassin. Thank you.
Aya. Mon amour. Tout va bien ? Mieux maintenant que je te vois. Il y a une lueur étrange dans ton regard. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu rêvais de notre fils. Bayek. L'épouse du grand prêtre a été empoisonnée. Et selon son clairvoyant, l'empoisonneur est notre ennemi. Le lézard ? C'est ce que je crois. Le taureau Apis aussi est à l'agonie. Nous devons nous rendre au temple. Nous parlerons de tes rêves en chemin. Viens, en bateau ce sera plus rapide. Alors, quel effet ça te fait d'être Medjay de toute l'Égypte ? Ah, c'est un peu comme suivre une colonie de fourmis. Mais je suis fier de servir ceux qui ont besoin d'aide. Moi aussi. Et je suis fier de servir la reine. Tu as parlé au grand prêtre ? Oui, avant l'arrivée de la reine. Elle vient à Memphis ? Oui. La dirigeante exilée se montre au cœur de l'Égypte ancienne. Ça risque de déplaire au jeune Ptolémée. Je suis si heureuse de te revoir, Bayek. Aya, tu es l'unique source de joie qui me reste. Je veux que tu reviennes près de moi. Je suis liée à la reine, je la sers. Et notre lien à nous ? Il est toujours aussi fort, mais nous savons de quoi l'ordre est capable. Nous pouvons l'affronter côte à côte. Oh, j'ai fait une promesse à la reine. Est-ce qu'elle t'apporte de plus que moi ? Elle m'a offert un nouvel horizon. Je ne cesserai jamais de pleurer notre fils. Jamais. Mais je veux aider à bâtir un monde qui dépasse notre chagrin. Afin qu'aucune mère n'ait plus jamais à vivre ce que j'ai vécu. Quand j'aurai tué le lézard... Quand tu auras tué le lézard, je quitterai Memphis. Alors je te suivrai. Chassons ensemble, comme autrefois. Tu as dit que des rêves t'avaient troublé. Est-ce que tu veux m'en parler ? Non. Je préfère t'épargner ce fardeau. Nous devrons en parler un jour. Par où on commence ? Va inspecter l'enclos. Je vais parler aux prêtresses. Ah, je vois. C'est à moi de marcher dans la bouse. Ta fait certainement goûter l'eau du dieu. Ce sont des offrandes aux taureaux. Elles ont l'air saines. Au brillant, ta robe a perdu de son lustre. Et je te trouve bien maigre. Puisse à tort te donner des forces. Nourrit le taureau Apis. Non, ce sont les prêtresses qui en ont la charge. Tu sais où on garde son fourrage ? Dans ce bâtiment, près de l'escalier. Mais on l'a fermé la semaine dernière quand le taureau est tombé malade. Je te remercie. C'est peut-être le fourrage qui rend le taureau malade. Mais il est trop tôt pour le dire. Il me faut plus de preuves. Du fourrage pour le taureau. Le reste doit être dans cette remise. Salutations, sœur d'Osiris. Depuis combien de temps servez-vous ici ? Deux mois, depuis le choix du nouveau taureau. Je suis une servante de la reine. Le noyau de pêche. Si on en a donné à manger au taureau Apis, ça expliquerait son état. Et ce collier ? Une des prêtresses jumelles en portait un semblable. Je vais aller voir si ça ne vient pas du collier de l'autre. Je suis une servante de la reine. La santé d'Apis lui tient très à cœur.
Pouvez-vous me décrire ? C'est bien ce que je pensais. L'une des... Ça, c'est un moyen subtil d'empoisonner un animal. Mes sœurs, c'est sans doute un accident. Peut-être. Mais pas autant. Nous devions sauver Pancratès ! Hein ? Qui ? Notre frère ! Des bandits l'ont enlevé alors que nous allions au marché. Ils nous ont forcés à empoisonner le dieu. Ils ont menacé de jeter notre frère au crocodile. Depuis, nous en avons perdu le sommeil. Je suis désolée. Nous n'avions pas le choix. Jamais nous. Je n'aime pas ça. Ce ne sont pas des malédictions. C'est l'ordre qui est derrière tout ça. Va au temple d'Athor sans moi. Je ne peux pas les laisser. Les gardes sont très vigilants par ici. Taverne attend le. Vous n'avez aucune pitié ? Aucun sens moral ? J'en suis presque triste pour vous. Garde ta pitié. Toi, Pancratès ? C'est moi. Loué soient les dieux d'avoir envoyé un robuste guerrier à mon secours. Parle-moi de ton enlèvement. Mieux vaut en parler quand nous serons seuls. Et puis j'ai peur que mes blessures m'aient beaucoup affaibli. Oui, Kenny, c'est Jerry, hein ? Hein ?
voilà, c'est ma maison. Attends, avant d'entrer, je dois te parler. J'aimerais épargner à mes sœurs les détails les plus pénibles de ma captivité. Je comprends. L'homme qui a ordonné mon enlèvement est un prêtre d'Anubis qui officie au Grand Temple. Un prêtre de l'entourage de Pachérepta. Tu peux me le décrire ? Il porte une écharpe bleue et il tousse horriblement. Le lézard. Je le tiens. Pancratès ! Tu es blessé ? Ils t'ont maltraité ? Il m'avait ligoté. Il me donnait des croûtes de pain comme un vulgaire mendiant. Alors ? C'est l'œuvre du lézard. Et je vais encore avoir le sang d'un prêtre sur les mains. L'ordre se répand partout. Pour protéger l'Égypte, je suis prête à tuer un millier de prêtres. Nous sommes tous deux voués à la violence. Maintenant. Et à jamais. Je dois avertir Pachérepta. Il attend au palais. J'ai récupéré des chevaux près d'ici. Allez, nous devons faire vite. Ah, je vais vous laisser. All my blood is in vain.